Puissance. Puissance. Okay. Je vais être long. Je vais couper et puis vous allez me suivre rapidement. Je voudrais juste souligner l'aspect de l'air. Le lait, les éléments, les azubibu, tout ça. Il y a les gens qui contestent cela. Mais je vais vous dire, je mets azubibu, lait, asperges, tout, vous mettez à côté. Un jour, je vous ai dit que Papa Florian, Dieu est incarné à lui. Suivez Marika. Un jour, ma femme ici présente était malade. J'ai fait tout ce que je peux faire, sauf venir voir Papa Florian. J'ai fait tout, ça va pas. J'ai fait tout, ça va pas. Alors que c'est une femme qui me tient à cœur. Donc, ça fait deux mais semaines. Mais ouais, pagla, ouais, pagla. C'est direct, on t'a pas, ouais, pagla. Non, ça vient. ça vient. Donc, ça fait deux semaines. Parce qu'elle mange pas, elle boit pas et elle dort pas. Donc, après deux semaines, j'ai regardé, je vois que dans une semaine, si il n'y a pas une solution, c'est pas bon pour moi. Donc, rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai départagé une semaine à trois. Deux jours, deux jours, deux jours. Donc, je dois mener les actions rigoureuses. Ça dit quoi? Je fais tout ce que vous connaissez là, les sacrifices, les machins, déposer là, carrefour, tout ça. Donc, quand je fais aujourd'hui, le lendemain pour savoir si ça va ou pas. J'ai fait un. Il n'y a rien. J'ai laissé le lendemain, troisième jour, j'ai fait deuxième. Il n'y a rien. Donc il reste troisième. Troisième là. Il dit bon, c'est ma dernière chance. Donc il doit faire quelque chose de puissant. Un jour, j'étais là, la nuit, parce que je dormais tôt. Il dormait tard plutôt. Il était là, il réfléchissait. Quelque chose dit, mais t'as tout fait. Fais voir Papa Florian maintenant. Parce que il voulait pas venir le voir. Il voulait gérer ça autrement. Voilà. Donc, si une semaine vient, que ce que je pensais se confirme, il va avoir des remords. Que ce qu'il doit faire, et puis il n'a pas pu faire. Donc, il me lève un vendredi, il va chez Papa. Il dit, ah, papa, voilà, voilà, voilà. Il dit, prends ta joie. Il dit, ah, c'est quoi encore? Il dit, bon, d'accord. Il dit, demain, vous venez à la prière. En ce moment-là, je ne pourrais pas la présenter en public. C'est pas bon à voir. Donc, je suis revenu, après la prière, je suis venu le voir. Il dit, papa, ah, je ne peux pas venir parce que. Il dit, bon, voilà, faut partir, donne-moi tout son nom. Il a donné tout son nom et puis je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, je réfléchissais. Quelque chose me dit comme ça, mais un jour, la femme là t'a dit qu'elle a rêvé, elle a vu Papa Florian. Il y avait longtemps, elle m'a dit ça. Donc elle a vu Papa Florian qui est venu le piquer. Donc elle m'a dit ça. Donc mon idée est partie de ici. Comme ça, je me suis levé, je dis bon, voilà. J'ai formulé l'image de Papa Florian devant moi. Donc j'ai fait comme si il est devant moi et puis je parle. Il dit bon, maintenant, si tu guéris cette femme-là, Dieu de Papa Florian, je m'adresse à toi. Seigneur Jésus, il dit comme ça. Si tu guéris la femme ça, pour moi, je te donnerai quelque chose que je n'ai jamais donné à quelqu'un. Je vais faire quelque chose que je ne peux pas faire à quelqu'un. Donc, comme ça, j'ai fini de parler. Et puis, j'ai réfléchi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois donner à Dieu s'il fait ça? J'ai réfléchi. Ce que moi, je ne peux pas faire à l'homme, c'est de m'arrêter devant les gens publiquement et dire, Jésus est vivant. Parler de Jésus publiquement, je ne peux pas. Parce que je suis musulman. Voilà. Donc, il a dit comme ça, il a formulé le vœu comme ça. Et puis il a dit, bon, en aucun temps, hein. Voilà, parce que il faut que ça soit une guérison propre, sans tâche. Sans tâche, je retrouve mon truc comme c'était. Si c'est fait, je parle de toi. Et puis le lendemain, je vous dis, hein, il n'a pas pris l'air.
il m'a pas donné l'air, il m'a pas donné quelque chose. Il m'a juste dit, prends ta joie, il a mis ses serviettes sur mon bras ici. Il a mis comme ça. Il dit, arrivé à la maison, il faut la toucher. C'est comme ça, je suis arrivé, il a fait. Il a touché comme ça. Et puis, je suis parti, il a dormi. Le lendemain, je me lève, je prends les nouvelles, il appelle, il dit, allô, c'est comment? On dit, elle dort, elle n'est pas encore réveillée. Voilà, elle ne dormait pas depuis 19 jours. Donc après ça, imaginez ce qui se. Après ça maintenant, il devait parler de Dieu, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a parlé de lui. Voilà. Donc je disais plus rien. 6 mois après, il était là, il était dans un cas. Il travaillait à Dabou, San Pedro, machin. Il était dans un cas, et puis il était assis là, parce que ça me rongeait maintenant, ça me rongeait. Tu veux parler de moi, tu ne parles pas. Désormais, s'il y a quelque chose, il ne faut pas m'appeler. Donc c'est comme ça, je me suis levé dans le cas. J'étais assis là, je me suis levé. Oui, bonjour, monsieur, dame, cher parent. Voilà, comme ça, j'ai commencé à parler. Et un jour, voici ce qui m'est arrivé. Un jour, j'ai connu un homme de Dieu, du nom de Papa Florian. Et voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu une solution. Et puis j'ai parlé comme ça. Donc à chaque fois quand je rentre dans le cas, là, je parle comme ça, comme si les gens qui vendent les médicaments là. Je parlais comme ça. Quand je dis comme ça là, ça dit ce que j'ai dit à Dieu, il est en train de. Voilà. Donc il fait comme ça jusqu'à pendant 8 mois. Donc un jour quelque chose m'a dit, bon, c'est bon maintenant. T'as bien vu. Et maintenant, quand je finis là, quand je suis venu, on était à Pauvre, je suis venu, dès que papa m'a vu, il ne lui a rien dit, il n'a pas parlé quelque chose, dès qu'il m'a vu, il dit, viens, prends le micro, il faut parler. Comme si il savait qu'il devait parler quelque chose. Donc, c'est ce qui détermine quand je viens, je prends le micro, je parle, souvent je ne donne pas de témoignage, je parle de. C'est ce qui. De motive ça. C'est ce qui motive cela. Voilà, il y a dit à Dieu, si tu as guéri femme là, il va parler de toi. Voilà pourquoi il parle de toi. Voilà.